Le département dans lequel je vis. Connaissez-vous Limogne-en-Quercy et ses cinq monuments historiques? Ce sont cinq dolmens. Donc voilà, je leur ai consacré un bouquin, des petits bouquins, mais à 11 euros, car ce sont des photos en couleur, je suis désolé. Et en plus, je vous offre une photo du lavoir de Vidaillac qui est situé proche de Limogne-en-Quercy. C'est un magnifique lavoir, comme il y en a quelques-uns dans notre département. Avec une photo de Souillac, son eau non potable. Voilà, d'abord, dans le centre de Limogne, on trouve un panneau pour la D40, qui est une petite route, avec dolmen. Dolmen du lac Dorier. Et naturellement, il y a les indications pour retrouver ces dolmens, celui d'Agranel. Celui de Ferrières-Eaux. Voilà, je vais tous vous les montrer finalement auprès de son arbre. Celui de Joncas. Et le plus simple à trouver, celui de Pajot, pour lequel il y a deux orthographes, qui est situé au bord de la D24, en partant vers Vidaillac, justement, et Beauregard. Vous vous souvenez que dans la première page, se trouve le lavoir de Vidaillac. Voilà, parfois il y a de la suite dans les idées et la présentation d'un autre livre sur Jésus, parce qu'il y a aussi Jésus qui est représenté. Voilà, c'est un bond de quelques millénaires, aussi bien pour Jésus que pour ses dolmens. Voilà, un petit livre qui n'est pas très diffusé, qui n'est pas très vendu, mais voilà, c'est aussi ça la possibilité d'être indépendant et de faire des tirages à la demande. C'est de présenter des petits livres comme ça, qui sont là, qui existent pour quelques personnes. Cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain. La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui, ou et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est là quand il y a une majorité, bien tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie. Et moi, je montre qu'effectivement, il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, pause, terre, haut. 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle... Pigeonnier, Lotois, Saint-Valentin,
essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Happy birthday, Jerry McInerney, 64 ans, le 13 janvier 2019, il est né en 1955, donc... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous présente en vidéo également ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors que...